Mais c'est bon. Allez. Merde, j'ai mis l'Eviator en premier. Peut-être pas la meilleure idée, ça. J'aurais peut-être pas dû mettre l'Eviator. Oh, il est mignon. Ah, non, non. Fer d'air. Fer de terre. Ok, fer de terre. Salut, fer de terre. Lol. Oh, ma chouille, c'est fort, par contre. Ah, c'est pas plus mal, ça va monter mon Léviator, en fait. Donc, c'est bien. Là, il va être assez facile à battre. On va changer de Pokémon, hein. Allez, c'est parti. Let's go! Il va repéter le mur? Bah ouais, évidemment. On va jouer au chat et à la souris, c'est ça? Ah oui, non, c'est vrai que c'est la... Il va se booster. Et Willan, t'as réussi à coincer le dominant? Et oui, c'est lui, le dominant acier tranché, mais c'est quoi cette longueur monstrueuse? Je pense qu'il y a uniquement de l'épice qu'on tient qui vont lui donner un gros coup de boost. Ouais! On va voir ça. Yes, attends. Pas très efficace. Ok, rien d'efficace sauf morsure. Je vais terra-cristalliser. Parce que comme ça, je pourrais utiliser... Ah oui, non, la tempête de sable, c'est chiant. Ouais, j'aurais pas dû faire ça en vrai. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est rigolo. C'est longtemps qu'on n'a pas terra cristallisé, donc... Ça, j'ai fait littéralement 3 heures d'explos et de glandouille, quoi. Ouais, clairement pas efficace. Par contre, c'est chiant, je vois pas le Pokémon... Je vois pas le voisin, quoi. Je peux pas tourner la caméra. Ma canon graine, c'est ma compétence la plus puissante. Même si c'est pas trop efficace en terra cristallisation, ça devrait faire pas de dégâts. Ok, bah on va partir sur morsure. Hein. Un peu long. Allez. Ça lui fait rien. Ah, il peut pas attaquer, ça c'est intéressant.
Paf. Heal-moi. Ou pas. Ça va le tuer. Let's go. Bien joué. Bien wesh, bien wesh. On a gagné, trop cool. Au fait, t'as vu la tête du dominant? Haha, je m'attendais pas à ce qu'il ait une tronche pareille. On va sûrement trouver un peu d'épices secrètes qu'il a mangées à l'intérieur. Viens, on va explorer avant qu'il revienne. Donc on va avoir accès à notre nouvelle compétence. Bon, je vais couper ça, de toute façon ça ne changera plus rien. Hop. Alors, si c'est comme la dernière fois, on ne devrait pas tarder à tomber dessus. Mmh. Bingo, la voilà. Une Pokéball au sol. Y a pas de doute, c'est une des épices qu'on cherche. Vous avez trouvé l'épice secrète salée. Excellent, merci Willan. Alors, il dit quoi mon bouquin? Épice secrète salée sert à soulager les membres engourdis et endoloris. Elle serait aussi super utile pour la force musculaire d'après le bouquin. Ah, vous le sentez le truc qu'on va pouvoir escalader les murs. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. Et Willan, j'espère que t'as faim, car c'est l'heure de passer à table. Ouais, de toute façon, je sais bien que je vais rien manger, vu que c'est encore mon... mon Miraidon qui va en bénéficier. Comme d'hab, hein, de toute façon, comme toujours. Ok. Bah tiens, comme par hasard. Encore toi. Même cinématique. Allez, vas-y, c'est bon. Prends-le. Je réveille, il essaie de lui dire merci ou quoi. Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rab. C'est pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Mireille, donc j'en ai fait de plus. Allez, tiens, vas-y. Monture bon. C'est quoi ça? Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Donc ça, je parie que c'est ce qui va me permettre de monter là où je voulais aller tantôt. Encore heureux, sinon tout ça n'aurait servi à rien. Et wesh, il a encore mangé l'autre. Non, touche pas à ça! Il est pas pour toi, sandwich! Oui, vénère. Désolé d'avoir hurlé. Je crois que je vous dois quelques explications. Ah, on va savoir quel Pokémon il cache? Vas-y, tu peux sortir. Ah ouais, effectivement. Voici Drogino. Dogrino, pardon. C'est mon partenaire. Oh, il est vieux. C'est un vieux Pokémon. Tiens, mange le sandwich, ça va te faire du bien. Régale-toi, mon beau. Mâche doucement, prends ton temps. Ah, c'est un vieux Pokémon. En fait, il a été gravement blessé il y a quelques temps. Il ne s'en est jamais vraiment remis. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Les potions fonctionnent pas et ils peuvent rien faire pour lui au centre Pokémon. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que toi à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverai un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans les livres, j'ai testé des tas de remèdes, mais il n'y avait rien à faire. Jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes.
l'ai trouvé dans le labo de mon père. Les épices secrètes, nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous, les nomades épices secrètes, nous tentâmes de cultiver et ça et là à la surface, mais des Pokémon les Pokémon les dévoreraient facilement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent au rayon paranormal, là. En attendant, ça marche. Mais moi, je pense que tout ce qui est écrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffira à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on trouve à Doc Grino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger. Oh mon dieu, il va se lever. Ah, ou pas. Doc Grino, tes yeux, t'as retrouvé la vue? Mais oui, je suis tellement content. Je peux plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps, je savais plus quoi faire. Ça va commencer à me rendre heureux! Doc Grino! Ah! Regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir qu'ils sont ouverts! Tout ça, c'est grâce au bienfait de ses épices! Ça fait aucun doute! En tout cas, c'est décidé. Je vais tout faire pour soigner Doc Grino jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant tu connais toute l'histoire. Il en reste encore 3 épices. Il faut qu'on continue nos recherches. Ok, bah écoute. Tout bueno? C'est tout bueno. Menti. C'est Touloum. Allo Willan, ici Touloum. Miraidon semble avoir retrouvé un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sauter plus haut quand tu appuies sur le bouton B sous sa forme monture. Si vous êtes... Ok, bouton B appuyé, ouais, c'est le truc habituel quoi. Ok. Je compte sur toi pour continuer à bien prendre soin de Miraidon. Oui, par contre, j'avais vu, il y a une Pokéball dans la grotte. Ah, on peut plus y aller. Ok, bon, bah tant pis.